France Bleu Lorraine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Sur ma route. Avez-vous vu le paysage qui est derrière moi? Il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. On est dans les Vosges. Derrière moi, c'est la vallée de la Meurthe, c'est une partie de la vallée de la Meurthe, c'est un paradis. On est tout en haut du col des Raides. Mon invité cette semaine est Pascal Tibolo. Alors, vous allez adorer parce que Pascal, avec son épouse Laetitia, ils ont réalisé ce que beaucoup de gens rêvent de faire, mais c'est une extrême minorité qui le réalise en fait. Ils ont changé de vie. Ils ont changé de vie. Pascal, il a été ouvrier dans le textile quelques temps. Il a été plus longtemps à la SNCF. Il a été vendeur ambulant de produits bio. Il a été paysan. Il élevait des porcs gascons. Notamment, il a fait de l'accueil social. Il a fait de la table d'hôte. Il a fait plein de choses. Puis un jour, il y a eu un déclic. Il va nous raconter ça. Il est parti à l'aventure. Il a complètement changé de vie. Il a tout vendu. Il a gardé son van et deux vélos. Et ils sont partis à l'aventure. C'est tout ça qu'il va nous raconter. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je pars rejoindre tout de suite mon invité, Pascal Tibolo. Salut mon cher Pascal. Salut, bien aimé. Ça va? Avec ce beau temps, c'est magnifique. On est sur un paradis là. Ah, c'est un lieu exceptionnel. Explique-nous où on est ici. Ben ici, on est aux Écuries des Raides. C'est ma petite belle-fille qui a appris ça il n'y a pas longtemps. Elle fait donc pension de chevaux. Elle donne des cours, des promenades dans ce site magnifique avec des sentiers de randonnée exceptionnels. Donc c'est vraiment un endroit, on a une vue sur toutes les montagnes autour de Saint-Dié. Alors ça, c'est la vallée de la Meurthe, c'est ouais, ça? Ouais, Saint-Dié est juste en dessous, mais ouais. Caché un peu par les arbres. On est vraiment dans un écrin de verdure exceptionnel et bah, tout le monde est bien, les chevaux sont bien et voilà. Et le chien est bien? Moi, ça me rappelle une partie de ma vie puisque j'ai été paysan pendant 20 ans. Donc, mais oui, on va en parler. Je me replonge un peu dans mon avant-retraite. Quoi, voilà. Et il veut qu'on joue avec lui. Ah, ben, elle veut que ça. Jouer, elle aime ça, elle adore ça. Ouais. Dis-moi, tu parlais de ta vie justement avant. C'est vrai que tu as une vie quand même. C'est pas banal. Quoi, parce que c'est vrai que j'ai fait. Tu as même bossé à l'usine, tu as été cheminot, tu as tout fait. Quoi, voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle comme manœuvre, et puis après j'ai bossé à l'usine, mais alors c'est un truc qui ne m'a pas plu du tout, l'ambiance d'usine. J'ai même après une période, un petit peu, deux ans, où je n'ai pas fait grand-chose et je ne glissais pas obligatoirement sur un bon terrain. Et puis les rencontres font que voilà, j'ai rencontré ma première femme et j'ai été bosser à la SNCF. Et j'ai travaillé pendant 20 ans à la SNCF. Ouais. Et à un moment donné, l'administration, les supérieurs, les chefs, j'ai un peu pété un câble. Pour essayer de sortir de là, investi syndicalement, c'était pour moi un trop grand rêve et je me suis rendu compte que la bagarre humaine comptait plus que la bagarre sociale. Donc j'ai même fait une petite dépression. Mmh. Et du coup, je suis reparti complètement, sur autre chose. Quoi. Ouais. Je me suis posé pendant un an pour réfléchir un peu au sens de la vie. Et c'est là que tu... Parce que, je crois que la dernière fois on s'est vu, moi je travaillais pour l'Est Républicain et je crois que je t'ai rencontré à la Petite Raon. Ouais. Mais là, tu étais éleveur. Mais alors avant, j'ai quitté la SNCF. J'ai travaillé comme commercial dans une boîte alsacienne qui vendait des compléments alimentaires. Ouais. Ils m'ont même envoyé jusqu'en Vendée pour développer l'entreprise en Vendée. Ouais. Et puis, à un moment donné, je pense que le patron avait vu un peu trop grand. Donc, on a été licencié. Mais j'étais bien content d'être licencié parce que c'était un boulot qui ne me plaisait pas du tout. Costume, cravate, tous les jours, ce n'était pas fait pour moi.
Et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis pour moi, mais moi j'ai très vite rebondi et je me suis mis à, comme j'avais déjà pas mal de copains dans l'agriculture et je Ouais. savais qu'ils avaient des difficultés de vente, je me suis mis à faire des marchés. Donc là, Ah j'étais ouais. dans la Creuse parce que Ah ah, c'est ouais. compliqué tout ça. J'ai beaucoup bougé en France aussi parce que mon épouse de l'époque avait fait son concours pour être institutrice et elle a été nommée dans la Creuse. Donc on s'est retrouvé en Creuse et c'est là que je me suis commencé à vendre des produits bio sur les marchés. Et que les gens me disaient, on aimerait bien avoir de la volaille, des œufs. Et puis je me suis dit, il y a un créneau à prendre. Et j'ai commencé mon métier de paysan éleveur Ouais. en élevant des volailles. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi. J'ai fait des porcs. Françoise, C'est ça, c'était des ports gascons des quand on porcs s'est gascons, rencontrés. Voilà. voilà. Et puis bon, les événements de la vie avec la maladie de Françoise ont fait qu'on est revenu dans les Vosges en 2000, 2002, je crois, 2000, 2001 ou 2002. Oui, les Vosges, Et donc tu on, connaissais parce que tu es voilà. Ah ben alsacien, oui, moi donc je suis tu es alsacien, j'ai grandi alsacien. à Ouais, Ribeauvillé, ouais. depuis tout gamin, les Vosges, je les parcours, j'adore randonner, les sentiers vosgiens, il n'y a pas de secret, non, quasi pas de secret pour moi, quoi, hein, voilà. Mais alors, après, donc, alors, il y a toute cette période où tu fais aussi du gîte, je crois, On du fait table tabou d'hôte, d'eau, c'est ça, ouais, de quand l'accueil on a la paix, social, enfin, ouais. énormément de choses. Et à un moment, avec Laetitia, donc, ta deuxième Alors épouse, oui, là. alors voilà, mon épouse actuelle, Voilà. Laetitia, on s'est rencontrés en 2012. Ouais. C'est une rencontre assez particulière parce que je me retrouvais tout seul sur la ferme et c'est vrai, comme tu le dis, avec une multitude, enfin en un métier, une Ah multitude de ouais. métiers parce que quand on a une petite ferme, ben, il faut se diversifier, il faut se débrouiller soi-même. Donc j'étais charcutier, boucher, cuisinier puisqu'on faisait table d'hôte, éducateur puisque j'étais lieu de vie, donc on accueillait des jeunes en difficulté placés par le département. Et je me retrouvais tout seul à un moment donné, j'y arrivais plus, donc j'ai embauché quelqu'un. Et puis au bout de 8 ou 9 mois, on est tombé amoureux Ouais. et au bout d'un an, on Bah, se mariait, c'est une voilà. belle aventure. Alors, à quel moment apparaît ce déclic? C'est quoi le déclic qui fait que vous, quand même, à un moment, Ben, Laetitia, toi, vous vendez tout et vous ouais, partez à et on l'aventure? part, ouais, complètement. Alors, c'est vrai qu'on était passionnés par ce qu'on faisait, mais on avait aussi un peu ce truc, on aimait voyager, quoi. Mais on n'arrivait pas à se décider. Et bon, alors moi, j'ai eu cet accident de tracteur où je suis passé à 2 doigts de la mort, 1 doigt de la paralysie. Je m'en suis très bien sorti pour finir. J'étais un peu cassé de partout, mais je me suis très bien remis. Et puis, 2 ans après, c'est mon fils qui a été emporté par un cancer fulgurant. Et là, ça fait réfléchir vraiment au sens de la vie. Qu'est-ce que je fais maintenant de la vie? Là, on s'est dit, bon, bah, écoute, ça, c'est le déclic. Il faut qu'on a envie de voyager. Donc, on se libère de tout le matériel. Alors, on a commencé à faire des petits voyages et on a compris que si on veut vraiment faire un grand voyage, il faut se libérer de tout ce qui est matériel, Ah quoi. ouais. Parce que ce qu'on avait envie, c'était de voyager pendant plus d'un an pour voir ce que ça faisait physiquement et psychologiquement. Et on s'est dit, si on veut être tranquille dans la tête, et là, on a décidé de tout vendre et de partir, de vivre en bohème, quoi. Mais alors justement, c'est ce que tu disais, on vend tous nos matériels. Est-ce que c'est cette façon de s'alléger finalement? Est-ce que c'est un des conseils? Parce que tu sais que changer de vie, comme vous l'avez fait, c'est le rêve de beaucoup de monde. Oui, Peu de gens le tout réalisent, à très fait. peu de gens le réalisent. Mais quel conseil tu donnerais, si tu as Alors, envie d'en donner d'ailleurs? oui, mais je dirais que le conseil, c'est un peu de ressentir ce qu'est en soi. À un moment donné, on est poussé par une. Enfin, nous, ça a été notre cas. On a été poussé par une espèce de force et il faut oser. Alors, c'est vrai que bien souvent, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on a peur financièrement, machin. À la Ouais. limite, c'est toutes ces barrières, j'y vais et puis je verrai bien, quoi. Voilà. D'accord, C'est d'accord. ça le conseil et c'est ça qui bloque les gens. C'est qu'ils aimeraient bien savoir où ils vont. Ben non, à un moment donné, il faut faire. Tout simplement, moi, il faut faire confiance à la vie parce qu'elle va toujours nous réserver des surprises, elle va toujours nous réserver des rencontres. Et puis, on arrive toujours à s'en sortir. Si à partir du moment où on a du dynamisme, on n'a pas peur de l'effort, on arrive toujours à s'en sortir. Et nous, on est parti en vélo. On savait qu'on voulait partir pendant plus d'un an, mais on n'avait jamais prévu de vivre tout ce qu'on a vécu. Et les choses se sont faites petit à petit. Et du coup, on a vécu des choses formidables. Et aujourd'hui, on vit en bohème. Un Ouais. jour, on est là. Le lendemain, on est là-bas. On passe à peu près tous nos hivers maintenant dans le sud de Portugal parce qu'il fait bon, parce qu'on s'est lié d'amitié avec des gens là-bas. Et on a encore plein de projets en tête, que ce soit en vélo ou en trek, puisqu'on aime beaucoup randonner aussi, quoi. Et vous respirez le bonheur. Ah, Ah, merci, ça fait plaisir. alors on va poursuivre sur ta route et tu vas nous parler des différents routes et chemins que vous avez empruntés. Vous avez dû en faire un sacré paquet. Ouais, on a vu des paysages extraordinaires, c'était.
Pascal, là on est, alors on n'est pas très loin, mais on est de l'autre côté de la montagne. Voilà. Et derrière nous, c'est ben, c'est la vallée de la Hure, et puis là-bas, c'est Raon-l'Étape, moi ce que j'appelle la porte des Vosges. Quoi. Ah, ouais. C'est vraiment... c'est un paysage simple, mais magnifique quand même. Voilà. Mais quand les Mosellans, Meurthe et Mosellans arrivent, c'est par là qu'ils arrivent. Ah ben c'est par là qu'ils arrivent, bien sûr. Ouais. Ouais, on ouais. découvre ça. C'est, ouais, fantastique. C'est fantastique, ces petites vallées, et ça me permet peut-être de rebondir par rapport à notre grand voyage, justement, on est parti aux deux extrêmes de l'Europe, et donc on a fait la Norvège, ouais. Et c'est vrai que quand on était en Norvège, c'est des, j'en parle dans mon livre, à un moment donné, je trouve même pas les synonymes, le vocabulaire, tellement c'est grandiose, ça prend les tripes, c'est, quand vous êtes au-dessus des fjords avec ces massifs, qui sont pas très hauts d'ailleurs, ça fait 1600, mais on a l'impression, c'est des pics, on se croit dans les Alpes, il y a encore de la neige. Et on s'est posé la question, on s'est dit, mais on a vu ce qu'il y a de plus beau, est-ce que ça vaut le coup pour continuer notre voyage? Et finalement, vous découvrez toujours quelque chose de plus beau. Et pas de quelque chose de plus beau, mais de très différent, parce qu'on a arrêté de comparer. Mmh. Ça, c'est un truc qui a été formidable dans notre voyage, c'est à un moment donné, on se dit, on ne compare plus. D'accord. Et on est plus dans le ressenti. Et c'est vrai que, par exemple, quand on était, je reviens sur cette histoire de Norvège, on se dit, mais attends, on va redescendre, on va traverser le Danemark, c'est tout plein. L'Allemagne du Nord, c'est des grosses cultures, c'est pas exceptionnel. On se dit, mais on on avait un projet, on ne savait pas si on passait par le nord ou si on revenait sur les... On est passé pour finir par la plaine des Vosges. La plaine des Vosges. Et pour finir, ben, bon, puisqu'on est dans les Vosges, ben, la plaine des Vosges. Mais c'est magnifique parce qu'il y a des endroits qui sont bucoliques. Mais il faut aussi laisser le ressenti, envahir par le ressenti du lieu. Et en définitive, on trouve tout beau. Et je vais donner un exemple. On est arrivé à Almeria. Alors, quand tu arrives à Almeria, c'est les serres d'Almeria. Ouais. On a passé 2 jours au milieu du plastique. Mmh. Et on arrive à un col et on a ce plastique, ces étendues plastiques. C'est vrai qu'on dit c'est pas beau. Et pourtant, on arrive à avoir des beaux paysages. Un matin, on est parti avec nos vélos, on avait ces étendues de plastique. Et juste au-dessus, tu avais la Sierra Nevada. Ouais. Elle était enneigée, tu avais le soleil qui se levait, ça prenait des couleurs rouges, rosâtres. C'est magnifique. Donc là, on parle de la Sierra Nevada, tu parles de la Sierra Nevada andalouse. Hein. Andalouse, oui, bien sûr. Ouais. On est dans le sud de l'Espagne. L'autre est en projet, non? Ah, pourquoi pas, ouais. Les projets sont à plein la tête. Mais tu disais s'imprégner de ces paysages, etc. J'imagine que la notion de temps joue beaucoup. Le vélo, la marche, c'est-à-dire, est-ce qu'on attrape finalement plus lentement? Ouais. C'est la notion de temps devient différente. Quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on est... À l'inverse de cette société où on entend tout, la plupart des gens, ils n'ont plus le temps. Ouais. Et tout d'un coup, avec le vélo, moi j'ai toujours l'avantage du vélo, c'est qu'on se hâte lentement. Ouais. Et on prend une autre notion du temps et on vit beaucoup plus en harmonie avec la nature. Et je ne sais plus qui disait, dans la nature, tout va lentement et tout est parfait. Ouais. Et c'est vrai, quand on observe, il y a une petite fleur, il y a des graphes. Enfin, moi j'aime bien faire des macros sur des petites fleurs. Et quand on les observe, c'est exceptionnel, quoi. Voilà. Alors là, quand tu parlais de la Norvège, tu fais référence au premier grand voyage, 21 000 km. 21 000, alors ouais. Alors on est parti, on n'avait pas du tout dans l'idée de faire 21 000 km. Nous, ce qu'on voulait, c'était partir plus de 12 mois. Mmh. Voilà. Et puis, les choses se faisant, on est donc, on avait 3 objectifs dans ce voyage. Ouais. C'était de visiter Berlin. Ça, c'était un rêve de Laetitia. Mmh. Moi, j'avais un rêve de gosse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le livre « Cheminer du rêve à la vie à vélo oui. ». J'avais un rêve de gamin, c'était d'aller dans les pays scandinaves et au Cap Nord. Ah. Donc, on s'est dit « on va au Cap Nord ». Et comme on voulait voyager plus d'un an, bah, automatiquement, il y avait un hiver. C'était d'aller dans le sud. Et on est allé à l'opposé du Cap Nord, Tarifa, qui est l'extrême sud de l'Europe continentale. Voilà. Tu évoquais là justement un premier bouquin, tu en as écrit 3, je crois, de mémoire, si j'ai. Oui, hein. Oui, oui. C'est... Alors, il y a aussi le blog Nos rêves de Bohème. Ouais, il faut qu'on va signaler l'adresse sur le site. Il faut vraiment aller voir ce site parce qu'on te suit, on vous suit voilà. En permanence quasiment. Alors, c'est devenu. Je ne sais pas, presque une drogue, parce que, bon, on s'est dit, tiens, quand on fait ce voyage-là, on a commencé à faire un petit blog. Et puis, y a des gens qui renvoyaient des messages, et il y a une complicité, pour finir, il y a des gens que je ne connais pas. Alors, si je peux donner un truc assez merveilleux qu'on a vécu là, il y a quelques mois, il y a des gens, un couple du côté de New York, qui nous suit depuis plusieurs années. Et puis, comme on est en hiver installé dans le sud de Portugal, ils se sont dit, on a un peu de temps, il faut qu'on aille les rencontrer. Donc, on ne les connaissait pas du tout, ils nous envoyaient des messages.
Et là, c'était au mois de mars, ils sont venus nous rencontrer, on a passé une semaine ensemble, quoi. Donc, il y a des amitiés qui se créent comme ça au travers du blog. Oui. Et puis, du coup, je me suis pris avec, j'aime bien écrire, oui, je me suis découvert ça. Et après, c'est surtout aussi le Covid, parce que pour finir, on a été confinés une première fois pendant notre grand voyage au Portugal. On est tombé complètement amoureux de ce pays et de ce peuple, parce que les gens sont superbes. Et maintenant, on y passe à peu près tous les hivers. On a lié des amitiés avec des Portugais, etc. Donc, on y est très bien. Plus de gros avantages, nous qui aimons les sports nature, on peut faire du vélo, on peut faire de la marche, on peut courir, comme on aime tout ça, toute l'année, puisque même s'il peut y avoir des petites gelées, mais après, très vite, un ciel bleu, le soleil, donc c'est très agréable. Et c'est juste pour dire, voilà. Et donc, le deuxième confinement, on l'a vécu au Portugal. D'accord. Et là où on était, on m'a demandé de présenter notre voyage. D'accord. Donc, j'ai présenté notre voyage et c'est là que les gens m'ont dit, mais tu sais vachement bien, c'est vachement bien, tu devrais écrire. Là, t'as écrit. Alors, moi, j'y croyais pas parce que, je l'ai pas dit, mais moi, j'étais en échec scolaire complet. J'ai quitté l'école à 16 ans, dans de très mauvaises conditions. Le lendemain, j'allais bosser comme manœuvre et moi, ce que je voulais, c'était travailler. Et j'ai pas honte de le dire, j'ai eu honte. Hop, j'ai des lunettes qui ont fait de grands voyages et qui sont un peu abîmées. Je dois avoir les nouvelles cette semaine. Mais à force de voyager, oui, le plastique a pas trop résisté. Et je me disais, mais attends, moi qui faisais des fautes à chaque mot, Et puis je me suis pris au jeu, je me suis mis à écrire, voilà. Alors... Je me suis dit, j'ai pas envie de raconter juste un voyage. J'ai envie de mettre un peu plus de piment, donc je fais des flashbacks sur ma jeunesse, sur des souvenirs. Et puis après un long voyage comme ça, c'est aussi une réflexion sur la vie, une réflexion sur les gens, sur le sens de la vie et sur l'environnement aussi, parce qu'on voit quand même des trucs pas très sympas par moment, quoi. Hein, des friches industrielles énormes sur des kilomètres. On va sans doute en reparler. Dans notre dernière séquence. On le signale, tes livres, il faut aller voir sur Nos Rêves de Bohème, vous avez tous les contacts pour acheter les livres, trouver aussi les moments de dédicace. Voilà, oui. Les lunettes, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Ça va vraiment pas, là. Alors là, on va à la cabane au Darou. Non, le Darou, on dit. Hein. La cabane au Darou. C'est le vrai nom, oui. On est pas mal, hein. Terminer ça. Cabane au Darou. Sur ma route, se termine souvent quand même dans un bistrot. Hein. Ah ouais. C'est une c'est tradition. Bien... c'est bien agréable quand même. Alors, tu nous as emmené ici. C'est chez. On est. C'est Boris, ton fils, hein, qui est le gérant du Darou. Oui. C'est franchement un des plus beaux bars. Allez, on va dire de France. Ouais, c'est vraiment la déco est absolument exceptionnelle. Eh bien, on rentre dans une cabane un peu canadienne, c'est chaleureux, c'est convivial, et puis on y trouve des très très bonnes bières, puisqu'il s'est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Aussi des très bons whisky. Et des très bons whisky, et voilà, des très bons whisky aussi. Alors, il y a quand même une anecdote qu'il faut qu'on raconte, c'est que Jack Lang, l'éternel ministre de la Culture, comme on dit, a été candidat ici aux élections législatives, et... C'était son repère, hein. Il avait une table là. Bah, il paraît, Boris m'en parlait beaucoup. Sans arrêt. À l'époque, il était serveur, Boris, et c'est depuis, le patron a vendu, et il a vendu à Boris. Ah, j'ai cru que tu allais dire Jack Lang était serveur. Ah non, non, non. Si c'est pas le genre de la maison. Ah non, non. Je ne pense pas. Et il faut le signaler, c'est que Laurent Gérard, qui imite beaucoup Jack Lang sur RTL, hein, quand Laurent Gérard parle et situe son action de la taverne du Vieux Bouc dans ses chroniques RTL. Ouais. C'est ici. C'est la cabane au Darou. Ouais. Donc c'est une cabane très célèbre. Voilà. J'y pense parce qu'on est vraiment dans un endroit convivial.
La découverte, toutes les découvertes que vous faites en Europe, etc., j'imagine que c'est aussi une découverte des gastronomies. Oui, alors nous, on a énormément de curiosité à ce niveau-là. Et découvrir la gastronomie, c'est aussi découvrir les habitants d'un pays ou d'une région, quoi. Alors, on a cette curiosité de découvrir les plats typiques de chaque région, de découvrir. Et puis, on aime bien aussi, on est des épicuriens, quoi. Ouais, Hein. bien sûr, Et ouais. même si on fait du vélo ou des treks, eh ben, de temps en temps, on aime bien boire une bonne bouteille de rouge. Alors, selon les régions, il y en a des bonnes ou des moins bonnes, hein, mais ça fait partie de la découverte. Et puis, c'est une richesse aussi que de se pencher. Et comme je le redis, mais ça permet aussi de bien connaître les gens et leur culture, toute la vie du passé, quoi, aussi. Alors, je lisais sur ton blog, celui de Laetitia, Nos rêves de bohème, des conseils de lecture, je crois. Enfin, vous expliquez ce que vous lisez. Est-ce que Oui. la lecture, comme on parlait de l'écriture tout à l'heure, est-ce que la lecture, elle est aussi différente dans ce contexte-là? On prend son Alors, temps, est-ce oui, que... on prend son temps. Alors, la lecture est différente parce que bah, quand on est sur un vélo, on est quand même limité en place et en poids. Donc, de mémoire, je crois qu'on avait 3 livres chacun Ah oui. qu'on a dû relire 2 ou 3 fois. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, quand on est arrivé en France, quand on est redescendu, là, j'ai vu mes enfants, donc on a essayé des livres, on a racheté des livres. Mais bon, quand on est dans les pays étrangers, c'est difficile de trouver des livres en français. Donc voilà, on avait, oui. Après, on a des livres d'aventuriers, de gens qui nous inspirent, tels que Mike Horn, Sarah Marquise et Jean-Louis Etienne. Vraiment, ces Ah trois oui, bien personnages sûr. aussi, qui ont osé dans leur vie et je pense qui nous ont permis Tes lunettes qui de. tombent. Qui nous ont permis de faire ce qu'on a fait Ouais. parce que ils nous ont beaucoup inspiré. Ouais, ouais, Je pensais à Jack Kerouac, je pensais à tous ces gens-là. ouais. Oui, Si, voilà, évidemment, j'imagine. Vous les emmenez avec vous en voyage. Jean-Louis voilà. Etienne, qui connaît bien Saint-Dié, qui est venu Ah plusieurs ouais. fois. Tu as effleuré tout à l'heure le sujet, mais j'y reviens, par rapport à notre société moderne. Je pense à cette phrase de Montaigne qui est célèbre, les voyages forment la jeunesse, mais ils forment beaucoup, beaucoup d'autres choses, ils forment l'ouverture d'esprit, Bien etc. sûr, bien sûr. Comment tu regardes cette, vous qui êtes quand même à l'air libre, au grand air, qui êtes presque totalement libre, cette société quand même qui se crisme, qui devient Ouais. ultra-violente, vous la Ouais. regardez d'un autre œil? Oui, on la regarde d'un autre œil, et puis j'ai presque envie de dire, on la regarde avec une certaine tristesse. Parce qu'il est évident que quand on vit comme nous, on vit dans la nature, avec nos différents sports de plein air, on est complètement amoureux de la nature, on s'émerveille régulièrement, on est capable de s'émerveiller, bien sûr, je le disais, devant les paysages des fjords, mais on est capable de s'émerveiller devant une pâquerette ou devant un moineau, et c'est ça que les gens ne savent plus faire. Et l'émerveillement, c'est aussi quelque chose qui permet de rester jeune, Ouais, d'ailleurs. c'est vrai. Mais du coup, on est aussi sensible à cette nature qui hurle de tous les côtés, avec la pollution, avec les incendies, etc. Et ce qui nous fait mal, c'est de se rendre compte qu'effectivement, les gens se crispent, qu'il y a une espèce qu'il n'y a plus de respect, et personne ne pense à respecter cet environnement qui nous nourrit et dans lequel on vit. Et il y a des scientifiques qui ont démontré que l'être humain disparaît, la nature, la faune, la flore continuent à vivre sans nous, quoi. Et c'est vrai qu'il faut. Il faudrait quand même qu'on y apporte beaucoup plus de respect par rapport à ce qu'elle nous apporte et qu'elle nous permette de vivre, de nous nourrir, quoi. On oublie complètement cela, quoi. Voilà. Très bien. Mais c'est, j'imagine qu'on regarde ça d'un autre œil. L'émission va toucher à sa fin, mais je vois que Laetitia est en train de nous rejoindre, donc ça fait plaisir de voir Laetitia, dont tu as beaucoup parlé. Ben ouais, Ça tombe très je suis bien. un Ça tombe très bavard. bien. Mais elle s'est arrêtée donc à la faiseuse à bière pour Voilà, faire une voilà. bière, et comme ça, elle va traquer avec nous à la fin de cette émission. Super, bah écoute, Laetitia, c'était ça fait plaisir de te un beau rencontrer. moment. Eh Cheers. ben, à la nôtre et Merci à pour nos cette corps des balade. aventures et merci d'être venu nous rencontrer. Ouais, et vive l'aventure. Et L'aventure bah, fait j'ai juste l'aventure, envie de j'allais. dire aux téléspectateurs, osez, osez dans la vie, ne vous mettez pas de blocage. Et c'est ça, je dirais, envie de la conclusion de notre voyage, parce qu'on s'est rendu compte qu'on est capable de faire énormément de choses, et je reviendrai aux aventuriers qu'on lit, ils nous montrent que nous, le corps humain, en plus, c'est une machine exceptionnelle avec laquelle on peut faire de très très belles choses. Super. Donc il faut vraiment oser, et on en rend heureux. Bon voyage suivant. Merci beaucoup. Et on trinque à votre santé. Allez, Voilà, à la osez, bonne les volte. amis.